Tout le monde a été confronté à un moment ou à un autre à ces machines qui tombent en panne sans qu'on comprenne pourquoi. Elles fonctionnent et puis tout d'un coup ça ne fonctionne plus. La plainte qui est déposée par l'association HOP est donc à cet égard très importante. On a un délit dans le droit français d'obsolescence programmée. Le fait de vouloir volontairement mettre un terme à un fonctionnement d'un appareil qui pourrait continuer longtemps à fonctionner. Donc cette plainte, il faut l'aider, il faut l'encourager. D'abord parce qu'elle va permettre à la justice de pouvoir enfin se prononcer sur ces appareils qui tombent en panne de manière régulière, là en l'occurrence des imprimantes et leurs cartouches d'encre. Et par ailleurs, elle permet aussi de démontrer que la société civile, à travers l'association HOP, mais d'une manière générale, s'intéresse de près à ce sujet qui concerne la vie de tous les jours de dizaines de millions de consommatrices et de consommateurs en France.